essayer de me faire passer pour le méchant de l'histoire. Aline Korenbacher est née à Paris le 31 août 1939. Elle a été assassinée au camp d'Auschwitz-Birkenau le jour de ses 3 ans. Il n'y avait pas de four crématoire à cette époque-là. Il y avait uniquement une chambre à gaz. Il y avait une grande pièce. Alors moi, j'étais affecté. Il y avait des petits trails avec des wagonnets qu'on bascule. Et moi, il m'avait collé, je crois, avec mon copain Simon, parce qu'on était toujours ensemble, au wagonnet. Alors, je pousse des wagonnets, j'arrive devant une grande bâtisse, et puis ça tapait vite, c'était affreux. Hein. Puis ça sentait mauvais, c'était atroce. Et puis, il y a un SS qui ouvre la porte. Et puis il me dit, allez, faut. Puis j'étais juste devant, moi. On ouvre la porte, qu'est-ce que je vois? Des cadavres. Alors, c'était affreux pour moi. Vous voyez un petit jeune Parisien qui débarque, qui se trouve devant des cadavres. Et puis, alors vite. Alors, ce qui était affreux, c'est que ils étaient entassés. Il y en avait qui étaient collés à la porte. Alors, ça je l'ai compris après. C'était le Zyklon B, parce que le Zyklon B, ça je l'ai su après. Le gaz, il monte petit à petit. Alors, ceux qui sont en bas, ils sont tout de suite. Alors, ceux qui étaient plus costauds, ils gagnaient quelques secondes. Alors il y en avait qui étaient les uns sur les autres. Quand on a ouvert la porte, il y a eu des cadavres qui sont tombés. Alors il a fallu qu'on prenait les cadavres, on les mettait dans les wagonnets. Et ensuite, les wagonnets, on les amenait dans des grandes fosses qui étaient énormes. On les basculait les wagonnets, puis on retournait chercher les autres cadavres. Alors bon, il y avait des hommes, des femmes, et puis il y avait même des bébés, des autres convois. Il y avait sûrement eu des convois de Pologne, je ne sais pas. Mais je me souviens que moi j'ai retiré des bébés, des petits-enfants. Alors que Sam arrive à Birkenau, la machine fonctionne déjà. Ce n'est qu'une baraque de planches au centre d'une clairière. Quelques mois auparavant, le 20 janvier 1942, dans un petit château au bord du lac de Wannsee, près de Berlin, le général SS Heydrich, le lieutenant-colonel Eichmann et 12 autres dignitaires nazis avaient élaboré les plans d'une gigantesque entreprise scellant le sort de toutes les communautés juives de l'Europe hitlérienne. La solution finale était en place. Elle ne devait pas manquer de servants. Pour protéger une certaine France et rétablir la souveraineté nationale, le gouvernement français adhérera à la politique raciale du Troisième Reich. Dans le 20e arrondissement de Paris, au 25 de la rue Bisson, au premier étage d'un petit immeuble de briques rouges, habitent Aline Korenbacher et ses parents. Le père d'Aline est tailleur. Au début des années 30, il a fui la Pologne. Il n'y a plus sa place, ni lui,
ni sa famille. Le père d'Hélène Yaroslav vit à Montreuil. Il est brocanteur. Entouré des siens, il est heureux comme Dieu en France. Le père de Sam est cordonnier. Mon père, français, pour lui, la France était sa seconde patrie. Quand il y a eu la déclaration de guerre, il s'est engagé. Pour lui, c'était la France. Et puis bon, liberté, égalité, fraternité, ça, pour nous, c'était ça, la France. On n'était pas très riches à ce moment-là. Il y avait énormément de juifs tout autour, rue des Panoyaux, impasse Coulon, il y avait plein de juifs des émigrés, il y avait très peu de richards, parce que les trois quarts qui habitaient ce coin-là, ils n'avaient pas de sous. Hein. Puis quand on a été habité au Faubourg du Temple, c'était pareil, hein. On ne roulait pas sur l'or. À Montreuil, à Belleville, à Ménilmontant, sur le faubourg Saint-Antoine, dans le Marais, les parents travaillent, les enfants de ces immigrés vont à l'école laïque de la République, gratuite et obligatoire, qui enseigne la liberté, l'égalité et la fraternité. Comment pouvait-il imaginer que bientôt une terrible trahison transformerait ce refuge en piège ? C'est un gourmand, il veut manger tous les pays de l'Europe. C'est un fureur qui a la fureur de faire la guerre. C'est un vilain monsieur qui a une mèche comme ça et des moustaches comme ça. Et maintenant, comment vous représentez-vous la guerre? On voit des maisons démolies à côté et à côté des enfants qui pleurent leur mère morte. En octobre 1940 et juin 1941, le gouvernement français promulgue les premiers statuts antisémites et les affiche en pleine rue. Les parcages sont interdits à Aline et à tous les autres. Ceux qui ont plus de 6 ans doivent porter l'étoile jaune. Pointés du doigt, les responsables du déshonneur français furent alors nommés. C'étaient les juifs, les étrangers, les communistes. Ils devaient partir. Au matin du 16 et 17 juillet 1942, la police déclenche l'opération Vent printanier. 13 152 juifs, parmi lesquels 4 115 enfants, sont arrêtés par 4 500 policiers français. Parmi eux, Joseph. On sonne à la porte, ma mère ouvre, deux hommes entrent, un agent en uniforme et un civil, avec des yeux d'un bleu très pâle, que j'ai pris pour un agent de la Gestapo, mais qui, sans doute, était un Français. Ils disent à ma mère, voilà, nous venons vous arrêter, vous avez une demi-heure pour préparer une valise, et vous mettez quelques vêtements et un peu de nourriture. Alors ma mère prépare une valise. Le civil va jusqu'à la fenêtre et la ferme. Il fait très chaud, ma mère lui demande pourquoi. Et il répond, c'est parce que ce matin, lors d'une arrestation, une femme s'est jetée du quatrième et s'est tuée. Et je ne veux pas que ça recommence. Un matin, le 16 juillet, j'ai ouvert la porte, et puis les deux agents sont rentrés. Alors, il nous a dit, voilà, faites vos valises, prenez quelque chose avec vous, et puis on vous emmène. Bon, alors, j'ai dit à ma mère, je vais expliquer en yiddish,
que voilà, ils réunissent les familles, puis on va retrouver papa. Moi, j'ai fait l'école en France, je parlais très bien français. Ma mère, elle parlait yiddish, très, très peu le français. Et il y avait une sœur à ma mère, qui était aussi arrivée de Pologne, et qui parlait très peu le français. Elle était venue en 1937, et j'avais mon petit frère, qui avait 12 ans, mais malheureusement, il était sourd-muet. Gabriel est sourd-muet. Son frère lui parle par signe. Sa maman ne parle que le yiddish. Il est enfermé dans le vacarme effrayant du vélodrome d'hiver en même temps que les 4115 autres enfants. Le problème se posait pour les enfants. Il y avait un problème et un doute. En principe, il avait toujours été dit que les enfants de moins de 16 ans ne partiraient pas. Les Allemands ne les avaient pas demandés. Ils demandaient des travailleurs, ils demandaient des adultes. En tout cas, il avait toujours été entendu qu'ils ne voulaient pas les enfants de moins de 16 ans. Mais peu à peu, quand les rafles continuaient, on voyait que les préfets, la police, la milice, prenaient tout, enfants avec les parents. Le 17 juillet, Jean Legay, délégué de René Bousquet, proposait à Théo Daneker, chef de la section juive de la SS à Paris, d'inclure les enfants aux déportations en cours vers la Pologne. La réponse d'Eichmann se fit attendre. Les conditions de détention au vélodrome d'hiver devinrent intenables. Les enfants et leurs mères sont expédiés et concentrés dans deux camps déjà en fonctionnement depuis mai 41, près d'Orléans. Pithiviers, Beaune-la-Rolande, deux petites villes du Loiret, deux camps à 80 km de Paris, deux camps de concentration. Dans la chaleur étouffante de l'été, les femmes et les 4115 enfants entassés dans les wagons de marchandises y sont acheminés. Le 21 juillet, ces deux villes voient leur population doubler. À Pithiviers, un triple réseau de fils de fer barbelés équipés de miradors et de projecteurs entoure les 19 baraques de bois qui composent le camp. Chaque baraque reçoit une moyenne de 270 détenus. 125 gendarmes français, 56 douaniers français, 29 gardiens auxiliaires français assurent la surveillance. À 17 km de Pithiviers se trouve Beaune-la-Rolande. 14 baraques, également de bois, composent le camp également cerné de barbelés et de miradors. Également, 125 gendarmes français, 46 douaniers français, 16 gardiens auxiliaires français assurent la surveillance d'Aline, de Pierre, d'Hélène, de Sam, de Joseph. Maman désespérée avec des enfants malades dans le bras, il y a un docteur. C'était en plein mois de juillet, un été torride, chaud. Les gens venaient après 3-4 jours du vélodrome d'hiver, affamés, assoiffés, pas lavés, sales. Les enfants morveux, certains malades, beaucoup malades, même, beaucoup d'enfants malades. Et dans un état de panique extrême, de confusion dans le camp, ils commençaient à se répandre dans les baraques avec une pagaille extraordinaire. Ça, on ne peut pas dire que c'était bien même organisé. Même le logement des gens n'était pas assuré de manière
planifié de manière correcte. Annette Monod-Léris était assistante sociale. Elle se rendit à Pithiviers et à Beaune-la-Rolande de sa propre initiative. Il y avait des enfants qui venaient du vélodrome d'hiver et au bout de très peu de jours, ils avaient la peau toute abîmée parce que certains d'entre eux couchaient à même la paille, et même pas de paillasse. Et la paille déchirait leur peau, alors tout de suite ils avaient de la gomme, de la peau écorchée, ils étaient pitoyables à voir et on n'avait pas de quoi les changer propre et les mettre en bon état. C'était absolument pitoyable de les voir dans cet état, et hélas, on ne faisait pas grand-chose pour eux. On a essayé d'avoir de l'aide de la Croix-Rouge, mais c'était très insuffisant et on était débordés. En ce même été, à Pithiviers, fut nommé un jeune sous-préfet, Michel Junot. Il était auparavant membre du cabinet du ministre de l'Intérieur du gouvernement Laval. La vie à Pithiviers, en dehors du problème dramatique qui vous intéresse, était, il faut bien le dire, une vie calme. Pithiviers avait la chance d'être en dehors des grandes voies de communication. Il n'y avait pas d'occupation allemande pratiquement dans l'arrondissement. De temps en temps, une troupe passait, mais ne restait pas. La Beauce fournissait largement à ses habitants, malgré toutes les restrictions, de quoi se nourrir. Il n'y avait donc pratiquement pas de problème de ravitaillement. Et j'ai presque honte de dire qu'au milieu de cette période de feu, de sang et de larmes, Pithiviers menait une vie calme. J'ose pas dire heureuse, mais calme. Le 21 juillet, à 16h30, 5 jours après son arrestation, Henri Rosenberg, 4 ans, meurt à Pithiviers. Entre le 19 juillet et le 16 septembre, dans les deux camps, une dizaine d'enfants trouvent la mort. Je me suis aperçue qu'en 1942, il y avait plein de petites tombes qui s'étaient mises un peu partout, donc dans ce côté et celui-ci, des petites tombes, un amas de terre malheureusement, avec des petites planches de bois en rond et marquées au goudron noir. Alors tous les noms de ces enfants qui étaient morts donc au camp et à l'hôpital de Pithiviers. Je n'ai jamais compris pourquoi on les avait retirés, puisque je vois là, à l'heure actuelle, qu'il reste une petite tombe. Cet enfant est mort en 1937. Je ne vois pas qui est-ce que ça pouvait gêner de garder les petites tombes des enfants juifs. J'avais 11 ans, et puis on était des gamines. On allait jusqu'au bout de la rue. Il y avait le camp avec les prisonniers dedans. Et puis, on était des gamines, alors on allait chercher des légumes, des tomates, des fruits dans les jardins. Et puis, on allait chercher du pain d'épices chez Gringoire, sur l'avenue de la République. Et on leur lançait par-dessus le grillage, quand ils pouvaient l'attraper. Parce que des fois, ça se prenait dans les barbelés. Ils avaient faim, ils ne devaient pas avoir à manger assez, ils étaient contents. Depuis plusieurs années, Madame Cotonec organise le carnaval des enfants de la ville et en fabrique les costumes. Le point de rencontre est la gare de Pithiviers. Le 29 juillet, une élève assistante sociale, Marie-Louise Blondeau, écrit à sa mère. L'arrivée, maman. C'était un désordre inimaginable. Un tableau pitoyable qui vous serrait le cœur. Tant de bébés sur la paille. Tant de mères désemparées. C'est à peine si on pouvait encore pénétrer dans les baraques. Les femmes anéanties essayaient de s'installer dans cette pagaille où les enfants criaient, pleuraient, certaines bousculaient tout le monde, se disputaient, essayant d'accaparer tout ce qu'elles pouvaient obtenir. D'autres pleuraient en silence.
L'amour maternel ne pouvait supporter tant de souffrances. Chacune se débattait pour que son petit soit préservé. D'autres, vaillantes, donnaient l'exemple. Le soir, elle rentrait comme les autres, vaincue. Il y avait des très petits, 2 ans et demi, 3 ans, qui butaient contre les grosses pierres calcaires du champ autour et tombaient le visage crispé, trop sérieux, tragique, personne pour les consoler. Ils reprenaient leur chemin. Certains étaient seuls, d'autres s'accrochaient à leur mère, désespérément, qu'ils avaient peur de perdre. Ils arrivaient du Veldiv, les regards affolés, les visages tirés, vieillis, des petites filles bien habillées et des petits du 20e, des chérubins de 16 mois et des petits hommes de 8 ans. On savait qu'il y avait des camps. On savait qu'il y avait des internés dans ces camps. On ne savait pas très bien qui c'était. Si c'était ce qu'on appelait à l'époque des terroristes, des communistes, des juifs, des étrangers. Et on savait qu'ils partaient pour l'Allemagne. Personne n'avait jamais entendu parler de fours crématoires, de chambres à gaz. Il n'était ni terroriste, ni communiste, ni étranger. Hélène Radjad avait 6 ans, son frère Émile 3 ans. Ils furent envoyés à la mort par le convoi 29 du 7 septembre 1942. Il y a des enfants qui ont été arrêtés tout seuls sans que leurs parents soient arrêtés. Je me souviens de 2 gamins qui avaient 4 et 6 ans. Ils habitaient à Paris au 16 bis, ils savaient leur prénom, mais ils ne savaient pas leur nom de famille ni nom de leur rue. Ils avaient été arrêtés sans que les parents soient là, ils étaient là seuls. Toute la famille Lehrer est partie de Pithiviers vers Auschwitz. Hermann le 17 juillet, Rivka le 7 août. Paulette, 10 ans, et Bernard, 8 ans, sont partis le 22 août. Ils furent tous assassinés. À Beaune-la-Rolande, le 2 août, Klaus Rotter de la baraque numéro 4 meurt, 17 jours après son arrestation. Il avait 10 ans. Les 3, 4, 5 août, une grave épidémie de diphtérie inquiète le secrétariat d'État à la santé. Les rapports administratifs se multiplient. Les abords des camps sont interdits. Joseph Weissmann avait 11 ans. Il a vu partir sa mère, ses 2 sœurs et son frère. Le jour de son départ, le wagon était trop plein. Il est renvoyé dans le camp. 3 jours plus tard, il réussit à s'évader. Au camp de Beaune, une baraque était affectée aux fouilles. J'arrive dans cette baraque très calmement, tenant la main de ma maman. Il y a quelqu'un qui nous dit, bon, vous posez vos valeurs, vos bijoux, votre argent sur la table. Et je ne sais pas si nous on en avait ou si on n'en avait pas, le propos n'est pas là. Et puis tout d'un coup, je vois ces miliciens avec leur sale gueule se précipiter sur une femme ou sur 2 en même temps et la frapper à coups de matraque, et la frapper à coups de gifle, la frapper à coup de poing, et cette femme, je revois une grosse femme, vous voyez, tout encorsetée, qui gicle de sang de partout, qui se roule par terre, les autres qui la tabassent, lui filent des coups de pied. C'est une mère, c'est une grande personne, on traite comme ça, avec une telle violence, c'est insoutenable pour un enfant. C'est ça qui me rend malade, c'est ça qui m'a donné des cauchemars pendant des nuits et des nuits après. Vous voyez cette femme, puis il y en a peut-être eu d'autres. Après, je regardais plus, j'entendais plus. J'avais dû me crisper en moi-même, vous comprenez? Je voulais sortir, m'en aller, sortir de cette baraque. Les veilles de déportation, il y avait les fouilles. Ça, c'était extrêmement pénible. Comme les femmes ne doivent pas être fouillées par des hommes, on a fait venir des personnes du dehors. Il y a des personnes du dehors qui ont accepté de venir pour fouiller les femmes. J'avoue que j'avais un peu honte que des femmes acceptent. Au moment de leur départ, on a fouillé les femmes,
Il y avait quand même des bijoux, quand même toutes sortes de choses. Alors certaines femmes, plutôt que de les donner, les ont jetées dans les water. Alors, il y avait une société de vidange qui allait vider ça sur la route des Aigris. Il y avait de ces gardes qui étaient avec des bâtons, apparemment, qui cherchaient. Dans... voilà. C'est quelque chose d'authentique, ça, on les a vus, ces gens-là. La rémunération du personnel féminin auxiliaire chargé des fouilles corporelles féminines était fixée par la préfecture du Loiret. Tarif de jour, 8 francs de l'heure. Tarif de nuit, 12 francs de l'heure. Les veilles de déportation, je recevais beaucoup de déportables qui devaient partir le lendemain et qui me confiaient une dernière lettre pour les leurs ou bien quelquefois des objets, des souvenirs, quelquefois des petits bijoux, des petits objets qu'ils voulaient soustraire à la fouille des Allemands. Alors ils me les donnaient et je les mettais dans des enveloppes, je mettais tout ça dans ma valise et je venais ici à la gare et je reprenais le train pour Paris en apportant tout ça. Je me souviens d'une lettre que j'ai lue après coup quand j'ai eu dans les mains d'un petit Henri qui écrivait « Ma chère concierge, je vous écris parce que je n'ai plus personne. Il y a 3 jours, on a déporté papa. Hier, on a déporté maman. Je suis tout seul et j'ai perdu mon porte-monnaie. » Il écrivait à sa concierge qui habitait impasse Puebla à Paris. Est-ce que la lettre est arrivée ? Le père de Marie-Esther Agelaine a reçu cette lettre. Pithiviers, le 27 août 1942. Mon cher papa, je profite de mon temps pour t'écrire une deuxième carte. Je m'excuse de ne pas avoir écrit plus tôt, parce que, dans l'infirmerie, il y a des enfants plus petits que moi. Alors, quand l'infirmière et la dame qui s'occupent des enfants malades ne sont pas là, les grands doivent s'occuper des plus petits. J'ai retrouvé mes camarades de Paris. J'ai vu Fanny avec son petit frère. Quand j'étais pas malade, je jouais tout le temps avec elle. Et aussi, j'ai retrouvé Robert avec sa mère et son père. Alors, je ne m'ennuyais pas. Je t'embrasse bien fort. Ta petite fille qui t'aime beaucoup, Marie. Marie-Esther est partie pour Auschwitz par le convoi numéro 35 du 21 septembre. Un matin, c'était l'été, c'était inhumain ce qu'on entendait. De chez nous, hein, au camp, hein. Parce qu'on a séparé les femmes des enfants, ça c'était quelque chose d'horrible. Hein. On entendait ça, les gens crier à un kilomètre presque. Hein. Le 2 août, les premiers départs des mères sont annoncés. Le mensonge est grossier, elles doivent partir pour préparer l'arrivée de leurs enfants. Un mouvement de panique s'empare de la majeure partie des prisonnières, qui se dirige vers le portail et essaie de l'enfoncer. Les gendarmes, débordés, font appel aux soldats allemands qui menacent de tirer. Les haut-parleurs du camp, en yiddish, invitent à la raison. Les femmes regagnent leur baraque. Un jour, au cours de... On m'appelle, docteur, il y a une femme... Une jeune femme qui est très agitée, qui crie, qui pleure, qui s'agite, et qui me voyait arriver en blouse blanche, dit « Mais vous êtes docteur, et vous êtes juif, et vous savez ce qu'on fait de nous, ce qu'on va faire de tous ces enfants. On va nous supprimer tous, on va nous envoyer à la mort. Et vous, vous faites ça, vous êtes avec eux ?» Elle était folle. On l'a prise pour une folle. Mais d'où elle savait ça? On avait tous le même désespoir. Je suis sûr que si j'avais été adulte à l'époque, j'aurais pu voir sur tous les visages cette quasi-certitude que le monde avait basculé. Le monde a basculé ce jour. Des enfants arrachés contre tant de brutalité à leurs parents,
Eh bien, au fond d'eux-mêmes, certainement qu'ils avaient la certitude qu'ils ne les reverraient jamais. Et que jamais plus le monde serait ce qu'il avait été pour eux. Alors que, la veille encore, ils étaient toujours dans le nid. Le nid était peut-être un petit peu moins douillet que dans l'appartement ou dans la maison dans laquelle ils vivaient. Mais c'était toujours avec papa et maman. Et puis les frères, et puis les sœurs. Et puis du jour au lendemain, eh ben, ça basculait. C'était fini. Les Allemands sont venus pour appuyer de leur présence les ordres qu'avaient reçus les gendarmes. Et les mères, évidemment, devaient partir seules, sans les enfants. Il y en a qui tenaient leurs enfants dans leurs bras, on les arrachait littéralement aux bras de leur mère pour que les mères partent seules. Et on déclarait aux mères qu'elles allaient dans des camps de travail, pas très bien aménagés encore, et qu'elles y allaient pour les aménager et qu'elles y accueilleraient leurs enfants. Les convois du début août partent directement pour les camps d'extermination. Moi, je n'ai pas vu partir de femmes. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont parties la nuit. On les a embarquées la nuit. Parce qu'on devait les voir. C'est... Nous, nous étions sur le chemin. Hein. Elles sont parties la nuit ou elles sont parties en camion, je ne sais pas. Hein. Les départs des trains sont fixés à 6h15 et pour éviter un embarquement difficile, trop matinal, l'administration du camp enferme les détenus dans les wagons la veille du départ. Le 12 août, Marie-Louise Blondeau, élève assistante sociale, écrit à sa mère. Tantôt, j'ai apporté deux bouquets de fleurs pour la salle. Les petits sont venus l'un après l'autre les sentir. Cécile, qui pleure depuis 10 jours, a souri de joie. 2 ans. Ils m'appellent leur seconde maman. Tout leur amour retombe sur moi, avec exagération forcément. Mademoiselle, je veux savoir quand est-ce qu'on va rejoindre nos parents. Je suis tout seul, moi. J'ai 9 ans. Je veux savoir. Ils parlent tout le temps de leur maman. Roger, 3 ans. Oh, cette culotte qui se met à l'envers. Elle est belle, c'est maman qui me l'a donnée. Mon manteau, c'est à moi, on va pas me le prendre. Pour ce soir, je vais me reposer et essayer de penser aux étoiles. Je ne veux penser à rien. Je ne comprends plus. Je vous embrasse fort. Je vous aime. Ce sont les aînés, ceux qui avaient 12 ou 14 ans, qui faisaient les corvées de service général de camp, n'est-ce pas? Le nettoyage, transporter les repas, un peu maigres, mais enfin les repas. Tout le service administratif du camp, c'était commandé par les gendarmes, mais c'était les aînés des enfants qui faisaient toutes les corvées qu'il y a à faire à l'intérieur du camp. Blouma, la maman de Paul et Maurice, part le 7 août vers Auschwitz. Paul, 11 ans, Maurice, 9 ans, partent 14 jours plus tard par le convoi numéro 22. À leur arrivée, ils sont immédiatement assassinés. Je ne savais rien, ni des détails de leur vie, ni des raisons qui les faisaient arrêter, sauf les raisons raciales, que l'on connaissait bien entendu, ou qui les faisaient déporter en Allemagne. D'ailleurs, à noter qu'ils ne sont jamais, je crois, partis de Pithiviers pour l'Allemagne, mais pour Drancy. D'où ensuite, ils sont repartis pour l'Allemagne. Donc, il y avait des prisonniers qui arrivaient, qui repartaient. Je répète que je n'avais légalement aucun droit ni aucune responsabilité. Ça ne m'a pas empêché, bien entendu, de prendre certaines initiatives. D'abord, d'ordre administratif. J'ai, en effet, fait ce que je pouvais quand on me disait, parce que bien entendu il y avait des bruits pour... À
À Washington, le gouvernement américain questionnait Gaston-Henri Haye, ambassadeur de Vichy, au sujet des rafles. Laval télégraphia la réponse. La permanence d'un si grand nombre de juifs qui se livrent au marché noir et à la propagande gaulliste et communiste constituait pour nous une cause de trouble à laquelle il fallait mettre fin. Quant à l'intention prêtée à l'Allemagne de stériliser les enfants juifs, elle relève de la fantaisie et de la propagande. Le 20 août, le pasteur Bögner, président des églises protestantes, rencontra Laval pour protester contre les rafles d'enfants. Laval lui répondit « Je fais de la prophylaxie ». Avec le pasteur Bögner, Madeleine Barrault et de nombreuses organisations internationales, dont la CIMAD, les Quakers et l'Organisation de secours à l'enfance, créent le comité de Nîmes, dont le but est de mettre à l'abri le plus grand nombre d'enfants juifs. Dans cette affaire de Vénissieux et cette nuit tragique qu'on ne peut pas oublier et qui me hante encore, on a sauvé 108 enfants. Ceux-là, on les a vraiment sauvés parce qu'on sait qu'ils sont partis très vite après la fin de la guerre en Israël et dans les kibboutz, pris en charge par l'OSE et les organisations juives. Mais on ne peut pas oublier qu'il y en a 11 600 qui sont partis et qui auraient pu ne pas partir parce que les Allemands ne les demandaient pas. C'est du zèle qu'a voulu faire Laval et le gouvernement de Vichy. On voulait en donner plus, montrer sa bonne volonté. On était quand même à Vichy aussi, non seulement harcelé par le désir de plaire aux Allemands, mais aussi mu par un antisémitisme que le pasteur Bögner en particulier avait bien repéré dès le début du régime de Vichy en octobre 40, au moment des premières lois antisémites. Le 13 août, Eichmann répondait favorablement à la demande française de déportation des enfants vers les camps d'Auschwitz. Le 15 août, un premier train d'enfants quitte le Loiret. Imaginez des gendarmes chargés de faire l'appel de centaines d'enfants. On leur dit « mettez-vous en rang ». Ils se mettent en rang plus ou moins. On fait l'appel, il a une liste. Mais s'il appelle Goldberg et que le Goldberg en question, il avait l'habitude de quoi l'appelle Jaco, ben Goldberg il répond pas. Puis il y avait des petites filles qui sortaient du rang pour aller cueillir une fleur, pour aller dire aux gendarmes « tu me donnes ton sifflet ». Enfin, les gendarmes, non, on n'a jamais pu exactement faire l'effectif des camps. Alors comment est-ce que vous pouvez nous faire croire qu'ils retrouveraient leur mère? Mais que faire? Denise Herbstein, 8 ans, et sa sœur Sarah, 3 ans, partent elles aussi sans leur mère, par le convoi numéro 23 du 24 août 1942. À Auschwitz, elles sont immédiatement assassinées. Le matin, c'était les beaux jours, on entend chanter des enfants qui passaient. On a dit, tiens, ben, c'est sans doute des enfants de l'école qui partent en colonie de vacances. Et puis, on a ouvert les volets, on a trouvé ça aussi quelque chose d'abominable. On leur avait dit qu'ils allaient retrouver leur mère. J'étais à Pithiviers, il y a eu une déportation. Comme j'étais là, j'ai suivi. Les gendarmes ont essayé de canaliser les enfants et de les emmener, de les aider à porter leurs pauvres baluchons. Et les Allemands étaient là pour surveiller l'embarquement. Et je me souviens d'un Allemand disant aux gendarmes qui portaient les baluchons des enfants, vous n'êtes pas là pour porter les bagages des Juifs. Alors je suis allée à la gare avec toute cette troupe d'enfants et tous les gendarmes et toute la surveillance. Là, il y avait des Allemands pour surveiller. Il y avait une passerelle au-dessus de la gare de Pithiviers, il y avait un Allemand avec une mitrailleuse pour surveiller que l'embarquement se passe bien.
Les trains étaient taquets. C'était des wagons à bestiaux dans lesquels on a fourré les enfants. 100 grandes personnes, il n'y a plus que les enfants. Ce n'était plus horrible souvenir de ma vie. Là, on les a fourrés dans les wagons à bestiaux. On a tiré les plaques par devant, les plaques pour fermer. Et les enfants essayaient de descendre, voulaient pas rester, ils ne comprenaient pas. Ils n'avaient pas été méchants et puis on les enfermait, ils ne comprenaient absolument pas. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Un message urgent du ministère de l'Intérieur fut adressé au commandant du camp de Beaune-la-Rolande. Les couvertures de la police nationale ne peuvent être données à des étrangers sortant de France. En conséquence, récupérez très soigneusement les couvertures prêtées pendant le séjour des Israélites dans les camps et s'assurez qu'aucun d'entre eux en est porteur au moment du départ. Entre Pithiviers et Drancy durait 3 jours. Alors, par cette chaleur torride, sans une goutte d'eau, affreux. Les enfants étaient à moitié morts, endormis. Je frappais aux parois de wagons partout où on s'arrêtait. Impossible d'obtenir quoi que ce soit. Les voitures étaient plombées, fermées. Mais à travers les grillages, une main des cheminots me passait de toutes petites pommes qui arrivait à passer entre les grillages, et c'est quelques pommes que je distribuais quand je pouvais dans la bouche des petits qui étaient autour de moi, sans le voir, en le sentant comme ça, il mordillait la pomme et un peu mes doigts aussi. Vous savez, on était complètement, il n'y a pas de fenêtre, il y a des grillages comme il y a dans les wagons pour des animaux, pour les chevaux. Alors on arrivait quand même un tout petit peu à regarder dehors. J'ai vu de mes yeux un train qui nous côtoyait, qui partait. Vous savez comme il arrive sur le chemin de fer, deux trains qui se côtoient, qui s'arrêtent l'un côté de l'autre. Il y avait deux, trois femmes qui étaient assises. Hein. J'ai vu qu'elles fermaient les yeux et pleuraient. Au nord de Paris, à Drancy, les enfants de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande sont regroupés. Par crainte de réaction de la population française, Eichmann précisa qu'en aucun cas des convois composés exclusivement d'enfants ne devaient être formés. Drancy sert alors de centre de tri. Les enfants attendront 3 jours sur les marches de ces escaliers du départ, sur les paliers recouverts de paille. On était inquiets, mais comment peut-on imaginer qu'on massacre des enfants comme ça systématiquement? On ne veut pas le penser. Évidemment qu'on était inquiets, plus qu'inquiets. Odette Baticle, elle aussi internée, était chargée de l'embarquement des enfants.
peut-être le départ qui a été le pire. Les derniers enfants étaient habitués à nous au camp. Ils avaient été malades, c'est pour la raison pour laquelle ils étaient restés. Ils étaient environ 80. Et quand nous sommes allés pour les habiller à 4 heures du matin, ça a été une vraie révolte. Tous, ils ont hurlé et nous ont donné des coups de pied, ce qui n'était pas du tout leur habitude. Et ont crié que rien ne les ferait partir, qu'ils voulaient rester. Et nous n'arrivions pas à les habiller. Et il n'y avait pas moyen de les consoler. Nous ne savions plus quoi faire. Et comme les gendarmes avaient l'habitude de nous voir descendre avec les enfants, ils ont fini par monter. Et c'est eux qui sont arrivés à les obliger à descendre, mais ils continuaient à nous donner des coups de pied en descendant ces escaliers. Et là, vraiment, j'ai vu que deux gendarmes avaient très, très pitié des enfants. Mais ça a été le départ le plus difficile. Vraiment, exactement comme si on les menait à l'abattoir. C'était affreux. Et nous étions obligés de les habiller, de les faire partir. La plupart des 4115 enfants des rafles du 16 et 17 juillet sont arrivés là, entre Auschwitz et Birkenau. Bord de camions, ils ont traversé un sombre bois de bouleaux. Les camions se sont arrêtés. Les enfants sont entrés, nus, dans une grande baraque de planches, au bord d'une clairière. Aline et sa mère sont restées ensemble jusqu'à la mort. Elles sont arrivées par le même train, dans le même wagon, le jour de l'anniversaire d'Aline, le 31 août 1942. L'été 42, les fours crématoires n'existent pas encore à Auschwitz-Birkenau. La machine de mort n'en était qu'à ses débuts. Les corps des milliers d'enfants raflés à Paris les 16 et 17 juillet 1942 sont jetés et enfouis dans une gigantesque fosse à l'orée du bois. Ils étaient entassés, il y en avait qui étaient collés à la porte. Alors ça je l'ai compris après, c'était la zic plombée, parce que la zic plombée, ça je le suis après, le gaz, il monte petit à petit. Alors ceux qui sont en bas, ils sont tout de suite. Alors ceux qui étaient plus costauds, ils gagnaient quelques secondes.
Cette entreprise méthodique de déportation vers les camps de la mort a été planifiée conjointement par les SS allemands et par la France de Vichy, la France de Pétain, de Laval et de leurs innombrables serviteurs zélés, ministres et fonctionnaires.